Les 15 et 22 mars 2020 se tiennent les élections municipales. À 2 ans de la présidentielle, ce scrutin fait office de test pour les principales formations politiques du pays. Pour elles, quels sont les enjeux, les risques, les objectifs? Les journalistes politiques du Monde font le point. La majorité et La République En Marche appréhendent ce scrutin avec pas mal de craintes. Il faut savoir que les municipales, c'est une élection où les maires sortants ont un atout puisqu'ils sont connus de la population et c'est un avantage. Et donc La République En Marche, ils ont peu de gens comme ça qui sont sur le terrain depuis 20 ou 30 ans puisqu'ils ont beaucoup de nouveaux élus. Donc ça va être leur principale difficulté, faire élire des maires. Et d'ailleurs, pour pallier à cet handicap, ils ont soutenu beaucoup de maires sortants qui venaient parfois de LR ou du PS. Parce que ces gens-là sont bien implantés, sont connus et ont beaucoup de chances d'être élus. Et on peut imaginer que les maires sortants auront une prime, mais aussi les écolos vont pousser, et donc En Marche risque d'avoir du mal à se frayer un chemin entre ces forces-là. Et là, aujourd'hui, ils ont revu leurs ambitions à la baisse. Donc ils disent aujourd'hui, on a 2000 élus locaux, donc des conseillers municipaux, et on ambitionne d'en avoir 10 000 après les municipales. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le papier, 10 000 élus locaux, ça paraît énorme. En réalité, par rapport au nombre total de conseillers municipaux qu'il y a en France, c'est très peu, puisqu'il y a environ 400 000 conseillers municipaux en France. Donc quand En Marche dit 10 000, ça paraît un grand score. En réalité, c'est pas énorme. Pour le Rassemblement National, anciennement Front National, l'enjeu principal est très clair. C'est déjà de garder la plupart des villes qu'il avait conquises en 2014, une petite dizaine. Au-delà de ça, il y a aussi la conquête. Ils tablent sur pas mal de victoires dans le bassin minier, donc autour d'Hénin-Beaumont. Ils ont aussi des hautes ambitions, notamment la mairie de Lens. Et surtout, l'objectif principal, la grande ville, c'est Perpignan, avec Louis Alliot, député et vice-président du parti, qui a toutes les chances de gagner le soir du 22 mars. L'autre enjeu pour le Front National, et très important dans sa stratégie pour la présidentielle, c'est de savoir si ils vont pouvoir passer des alliances avec la droite. Le schéma est simple, c'est-à-dire, s'il y a une chance pour que la gauche gagne, est-ce que la liste Rassemblement National et une liste de droite vont pouvoir s'entendre pour fusionner et devenir majoritaire? C'est un enjeu essentiel dans la stratégie de Marine Le Pen pour la conquête du pouvoir, parce que elle ne sera jamais majoritaire toute seule. Il lui faudra, quoi qu'il arrive, passer des alliances à un moment donné. Et les municipales peuvent être la première marche de cette dédiabolisation politique, de cette normalisation du Rassemblement National, avec une sorte d'union des droites, qui ne dira pas son nom, mais symboliquement, ça peut être très important pour le Front National, pour le Rassemblement National. Le Parti Socialiste, pour lui, les municipales, c'est un enjeu majeur. Ce qu'il veut, c'est pouvoir montrer qu'il est encore un parti national, qu'il existe partout et qu'il a encore un avenir. Donc là-dessus, il s'appuie sur les maires qui sortent, ce qu'on appelle les maires sortants, ceux qui dirigent les villes. Mais il y a quand même une vraie compétition qui s'est installée à gauche. Maintenant, c'est sûr que les électeurs, c'est eux qui vont décider. Alors, ça va être un peu le crash test. Parce que derrière cet enjeu des municipales, c'est aussi les régionales. C'est la montée et le vrai danger du Rassemblement National qui peut ravir non seulement des villes, et il va le faire, mais aussi des régions. Et puis, c'est la grosse bataille de la présidentielle. Et là, il va falloir montrer que... non seulement ils existent, mais qu'à plusieurs, avec les écologistes, avec ce qui reste des autres partis de gauche, avec les communistes, ils peuvent tenter de se rassembler, et ça, c'est pas gagné. Europe Écologie a voulu changer de dimension avec ces élections municipales. Ils veulent devenir la force pivot à gauche face à Emmanuel Macron, la force autour de laquelle se recompose une opposition écologique, démocratique et progressiste. Et pour ce faire, ils sont obligés de casser les anciennes alliances avec le Parti Socialiste notamment. Et surtout, ça va être une rampe de lancement pour Europe Écologie Les Verts, ces élections municipales, puisque 9 mois ou 10 mois après, à peine, auront lieu les élections régionales. Et
dans les élections régionales, le mode de scrutin oblige à passer des alliances. Et donc, le parti qui arrivera en position de force au soir des élections municipales sera celui qui pourra dicter un peu sa volonté, sa stratégie pour les futures alliances. Alors, ils sont confiants par le résultat aux européennes, mais aussi par le climat actuel de conscientisation sur les questions écologiques. Ils ont beaucoup d'espoir quand ils voient les manifestations des Jeunes pour le Climat, quand ils voient leurs propositions reprises par les autres partis et les autres formations politiques, et aussi par le président de la République, en disant, voilà, nos thèmes sont maintenant majoritaires dans le pays, et comme nous sommes le parti le plus identifié à ces thématiques-là, on est obligé d'en récolter les fruits. L'enjeu à droite sera de montrer que le parti existe encore, qu'il est toujours là. En 2014, il y a eu une vague bleue où beaucoup, beaucoup de villes en France sont passées à droite. Aujourd'hui, il s'agit pour eux donc de garder les villes qu'ils avaient et peut-être d'essayer d'en gagner d'autres, ce qui va s'avérer difficile étant donné le fait que beaucoup de villes sont à droite. Ils vont aussi devoir garder des villes très importantes comme Marseille, où ils font face à une dissidence, c'est-à-dire qu'il y a deux listes qui se font concurrence, deux listes de droite. Or, si la droite perd Marseille, facialement, c'est pas bon du tout. À partir de là, si la droite montre que finalement, au municipal, elle s'en est bien sortie, elle pourra peut-être essayer de reconquérir son électorat qui est allé chez Emmanuel Macron, peut-être être assez forte aux élections régionales de mars 2021, et à partir de là, se présenter à l'élection présidentielle, qui est absolument déterminante. Parce que si le LR, donc les Républicains, ne sont pas présents une nouvelle fois au second tour de l'élection présidentielle en 2022, c'en est fini du parti. Alors la France Insoumise, c'est au municipal, a une spécificité, elle ne présente pas de liste. Pourquoi ? Parce que, un, ils ont très peu d'implantation. C'est un mouvement jeune, donc ils n'ont pas de maire sortant, ils n'ont pas d'élu sortant, donc c'est très difficile pour eux de trouver des noms pour constituer une liste. Et deuxièmement, il y a une hémorragie de forces militantes depuis les européennes et même avant, pendant la campagne européenne, à cause des crises successives qui ont secoué la France insoumise, et ils sont dans un état d'affaiblissement assez sévère. Donc ils ont décidé de soutenir les initiatives citoyennes. Double avantage, ça permet à la France Insoumise de masquer ses faibles effectifs et aussi d'aller dans le sens même de leur projet qui est l'auto-organisation et la création d'une fédération populaire. Alors c'est très risqué pour eux d'enjamber les élections municipales parce que ça les fait disparaître quand même de la scène municipale qui est une scène importante auquel les Français sont attachés. Mais eux se disent la France Insoumise est un outil pour la grande baston démocratique, comme le dit Adrien Quatennens, qui est l'élection présidentielle. Et donc, en fait, toutes leurs forces sont concentrées vers cet objectif de 2022.